Bon, Jean-Sébastien Lecornu, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans les 4V, 78e anniversaire aujourd'hui de la victoire des Alliés à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. On s'approche donc du 80e anniversaire et ça veut dire logiquement qu'on passe dans une commémoration quasiment 100 vétérans qui ont connu effectivement cette grande guerre. Est-ce que ça change la façon dont on commémore ce 8 mai? Oui, clairement. Alors c'est un cycle mémoriel qui va s'ouvrir. 80 années aussi par rapport aux événements de 1943, qui a été une année charnière dans la guerre. C'est pour ça que le président de la République sera d'ailleurs au fort de Montluc cet après-midi, parce que ça permet aussi de réexpliquer aussi tout le rôle de la résistance intérieure, évidemment aussi les sacrifices qui vont avec. On pense évidemment à Jean Moulin et à d'autres. Donc là, on rentre dans un moment de passage de témoins, de génération en génération, sur justement ce devoir de mémoire globale. Et donc c'est un point important. Nous, on va associer de plus en plus les écoles. Le ministère des Armées conduit un certain nombre d'actions en la matière. On va aussi veiller à notre réseau associatif patriotique. On a beaucoup de vétérans des autres guerres, y compris Indochine, Algérie, qui peuvent aussi jouer ce rôle avec nos enseignants. Et je pense qu'effectivement, on est dans un moment tout à fait important. Un mot tout de même de ces manifestations qui risquent quand même de venir perturber les commémorations à Paris et peut-être à Lyon, tout à l'heure, du président de la République. Vous le regrettez ? C'est une question un peu philosophique parce que moi je suis petit-fils de résistant, donc s'ils se sont battus c'est pour justement avoir aussi des grandes libertés, la liberté de me poser la question, de pouvoir moi y répondre, la liberté aussi syndicale et de manifester. Mais en tout cas je pense qu'une journée comme celle-ci, c'est bien de faire preuve de retenue. Les anciens combattants également sont de moins en moins âgés, forcément, parce qu'il n'y a pas que la Grande Guerre, il n'y a pas que la guerre de 45. Vous préparez un plan concernant les blessés de guerre, qui sont donc, on le dit, de plus en plus jeunes. C'est un plan qui va à la fois se baser sur les blessures psychiques, et physique. C'est en quoi exactement ce plan? En fait, on a beaucoup d'anciens combattants liés effectivement aux opérations extérieures. C'est vrai au Sahel, c'est vrai en Afghanistan, sur les différents théâtres sur lesquels l'armée française a pu être engagée. Je pense qu'aujourd'hui, on fait le maximum sur le volet soins. Le service de santé des armées, les invalides, l'ensemble des équipes sont mobilisées. Je pense qu'il y avait deux volets sur lesquels nous n'étions pas toujours au rendez-vous. Le premier, c'est le psychologique, la blessure psychique. Il y a des travaux importants qui ont été conduits en la matière. D'ailleurs, je tiens à saluer l'action de Jean-Marie Bocquel sur ce sujet. Donc, la secrétaire d'État, Patricia Mirales, va dérouler et décliner cette semaine une feuille de route importante, notamment avec ce qu'on appelle des maisons Athos. On en a 4 aujourd'hui. On en aura 10 à terme, qui sont des maisons en région, qui permettront justement de réhabiliter sur le terrain psychosocial le parcours d'un combattant tel qu'il a été parfois blessé dans sa psychologie, en tout cas sur un certain nombre de pathologies particulières. Et le deuxième, il est plus administratif, c'est évidemment la simplification de tous les mécanismes de réparation, de pension, de décoration sur lequel notre pays est capable d'être particulièrement ingénieux en matière de technocratie ou d'administratif. Pas avoir toujours prouvé qu'on a été ancien combattant. C'est le renversement de la charge de la preuve. Si vous êtes blessé, c'est à l'administration de venir vous donner tout de suite ce à quoi vous avez le droit et non pas l'inverse. Le budget des armées, Sébastien Lecornu, la loi de programmation militaire pour la période 2024-2030 arrive demain à l'Assemblée, d'abord en commission de la Défense. 413 milliards d'euros pour la période, c'est plus 30% par rapport à la période précédente. C'est vrai que les sommes sont énormes. Est-ce que ça sert uniquement à rattraper notre retard pris pendant les décennies précédentes? Non, plus seulement. Si je devais être schématique déjà et refaire aussi un peu d'histoire, on a un modèle d'armée évidemment qui puise dans les années 60. Décision des gaullistes, avènement de la dissuasion nucléaire, guerre froide, et donc évidemment de 1960 pour faire vite jusqu'à la dissolution du pacte de Varsovie. Vous avez eu un modèle d'armée qui correspondait aux menaces que nous pouvions connaître. Années 90, dissolution du pacte de Varsovie, fin du service militaire et donc professionnalisation de l'armée. Et là, on baisse énormément tous les crédits. Et pour des raisons qu'on peut comprendre, et surtout, malheureusement, réorientation vers la lutte contre le terrorisme armé, qui donc a donné un modèle d'armée aussi très engagé sur ces questions. Et là, en fait, on le voit bien depuis plus d'une année, on a désormais une accumulation de risques très différents. Toujours des risques anciens, compétition entre les grandes puissances, prolifération nucléaire, on le voit avec la Corée du Nord et l'Iran, qui vient d'ailleurs consacrer l'utilité de notre propre dissuasion. On a besoin de garder des capacités expéditionnaires parce que le terrorisme est toujours un enjeu majeur, puis personne n'en parle malheureusement assez, mais on le voit bien sur la situation actuellement en Afrique. Et puis en même temps, vous avez des menaces qui sont nouvelles et qui peuvent d'ailleurs contourner notre appareil de défense tel qu'il existe aujourd'hui. Menace cyber, par exemple, je pense que c'est un des éléments qui touche le plus la population. On a bien vu les attaques cyber qui se multiplient sur le territoire. Alors, elles peuvent venir d'organismes criminels, elles peuvent venir de groupes de militants politiques, elles peuvent venir évidemment de groupes terroristes, elles peuvent aussi venir d'un État étranger. Donc ça, c'est évidemment un des enjeux majeurs. Et vous avez aussi des espaces nouveaux qui se militarisent, précisément le spatial, les fonds sous-marins. Et donc si les sommes sont importantes, c'est qu'à la fois il s'agit de continuer à réparer, mais il s'agit également aussi de réussir quelques sauts technologiques pour l'avenir. C'est ce qui explique l'effort important que la nation va devoir consentir, si le Parlement le vote, dans les années qui viendront, parce que c'est aussi important que les décisions que les gaullistes ont prises dans les années 60, notamment avec l'atome à des fins militaires. Mais ça veut dire dans les années 90, on était quoi, un peu trop utopique quand on s'est dit ça y est, c'est bon, on peut maintenant commencer à baisser les projets militaires. Par exemple, il y avait cette phrase de Laurent Fabius en 90, il disait « Il est temps de toucher les dividendes de la paix ». On est passé dans des dividendes qui étaient négatifs à un moment donné, notamment dans les années 2000. Je pense qu'il y a une cohérence dans les années 90, qu'on soit pour ou contre le service militaire sur les implications sociales, il y a une réalité, c'est que la professionnalisation était nécessaire et tous les pays l'ont fait. Pourquoi masser des millions de jeunes gens aux frontières de l'Est de l'Europe, même de l'Est de la France, contre la Russie de Boris Eltsine à l'époque? C'est la reprise des essais nucléaires. Mais aujourd'hui, pour rattraper tout ça. C'est évidemment le démantèlement d'Albion. Non, ça, je pense qu'il y a une cohérence dans les années 90, d'ailleurs sous la présence de François Mitterrand, comme sous la présence de Jacques Chirac, je pense qu'il faut expliquer la cohérence de ça. Il est clair que dans les années 2000, on est allé trop loin, et pour cause, parce que les armées sont complètement loyales, il n'y a pas de syndicats, donc ça a été facile. La grande muette, gauche et droite confondues, pour être très clair, ont pressuriser les crédits militaires, et c'est depuis l'élection du président de la République en 2017, on n'a pas attendu l'Ukraine, qu'évidemment on remet des moyens. Mais c'est vrai que là, c'est plus une remontée de moyens pour réparer ou pour se remettre à niveau, c'est aussi pour permettre à la France de tenir son rang et surtout nous adapter aux menaces telles qu'elles peuvent réellement peser sur la nation française. Notamment, par exemple, le renseignement militaire, plus 60% du budget, ça c'est vraiment une donnée maintenant importante. Le renseignement global, la DGSE aussi, oui, qui ne fait pas que du renseignement militaire, qui fait aussi du contre-terrorisme ou des éléments liés aux ingérences étrangères. C'est indispensable, vous voyez bien, pour le coup, il y a eu un bond en avant spectaculaire. Pendant la première guerre du Golfe, la France n'était absolument pas souveraine dans la capacité de comprendre ce qui se passait. En clair, on était dépendant des Américains. Il y a 10 ans, c'était déjà très fragile, y compris sur ce qui se passait au Levant. Aujourd'hui, la France a ses moyens propres d'observation et de compréhension de ce qui se passe sur un certain nombre de théâtres. Et ça, pour le coup, c'est clé parce qu'il en va de notre diplomatie, il en va de notre autonomie, de notre souveraineté. Un mot aussi, Sébastien Lecornu, c'est de redonner à la France la capacité de réarmer, de refabriquer, par exemple, des armes, des munitions. On ne fabrique plus aujourd'hui des munitions de petit calibre. Les obus, notamment, qui sont envoyés en Ukraine, on les fabrique en très petite quantité. Quand est-ce qu'on va retrouver en France notre pleine capacité de production industrielle? La bonne nouvelle, c'est qu'à part les exemples que vous venez de donner, globalement, on est autonome en tout. Et pour cause, là encore, le gaullisme des années 60 et notre dissuasion nucléaire, qui fait qu'on a un modèle qui s'appuie sur une industrie qui est complètement souveraine. On est un des rares pays à ne pas devoir acheter à Pékin, à Moscou, à Washington, en fonction des orientations diplomatiques des uns et des autres. Et ça, pour le coup, c'est une véritable richesse. Il est clair qu'il faut relocaliser un certain nombre de choses. C'est pas tant l'Ukraine qui l'a révélé et réveillé, c'est plutôt d'ailleurs le Covid. Ça prend combien de temps ? C'est particulièrement vrai. Typiquement, j'ai annoncé une décision de relocalisation d'une filière poudre pour produire des obus de 155 mm à Bergerac, avec l'entreprise Eurenco. Ça va prendre 2 à 3 années, mais c'est-à-dire quand même assez rapide. D'un mot quand même, le budget de la défense militaire qui, comme ça, effectivement, fait plus de 30% sur la période, effectivement, jusqu'en 2030, alors qu'on a un problème, effectivement, de retraite. On a beaucoup parlé pendant cette réforme de ces 13 milliards qui manquent pour équilibrer les comptes. Il y en a certains qui vont vous dire, bah, pourquoi on ne les prend pas dans le budget militaire? Qu'est-ce que vous leur répondez? En fait, il faut leur répondre la vérité. C'est est-ce que vous pensez que les menaces qui pèsent sur la France sont sérieuses ou non? Soit vous considérez qu'elles ne sont pas sérieuses, il faut continuer à diminuer même les moyens des armées, soit vous considérez qu'elles sont sérieuses et donc il faut pouvoir se protéger. Il n'y a pas de modèle social qui fonctionnerait dans un environnement sécuritaire complètement dégradé. Et je pense que d'ailleurs opposer les deux budgets de la nation sociale, 30% du PIB pour faire vite, aux armées, 2% du PIB bientôt, ouais, je pense que ça met aussi les choses à sa place. Sébastien Lecornu, une particularité dans l'armée dont on voulait vous parler ce matin, c'est que les personnes séropositives ne peuvent pas intégrer la gendarmerie ou encore le corps militaire des sapeurs-pompiers. Le ministre de l'Intérieur vous a proposé de mettre fin à cette discrimination. C'est le cas depuis peu pour les policiers. Qu'est-ce que vous leur répondez ce matin? Eh bien, j'ai pris un arrêté, justement, qui va revoir l'ensemble des critères d'aptitude pour rentrer dans les forces armées. Ça comprend effectivement les pompiers de Paris et les pompiers de Marseille, d'ailleurs, qui sont des marins. Ça comprend évidemment aussi la gendarmerie. Bon, il faut savoir que ce n'était pas forcément que discriminatoire. Le service de santé des armées avait parfois quelques peurs, notamment pour nos militaires qui servaient en opération extérieure. Ils ont fait un boulot remarquable avec les associations. Je tiens d'ailleurs à remercier l'association HEDS, sur laquelle justement ils ont fait évoluer les protocoles thérapeutiques qui permettent de nous assurer désormais qu'avoir le VIH ne soit pas un critère discriminant pour rentrer dans les forces armées. Donc là, désormais, une personne séropositive pourra devenir gendarme? J'ai signé l'arrêté, il sera publié dans les jours qui viendront. Et quand il sera publié, gendarmerie, pompiers de Paris et de Marseille, dans tout l'ensemble de nos forces armées, évidemment, ça ne sera plus un critère de discrimination par principe en entrée. Juste d'un mot, vous savez qu'on cite régulièrement votre nom pour succéder éventuellement à Elisabeth Borne un jour. Ça vous énerve, ça vous fait sourire, vous en avez marre? Ça m'agace un peu, oui, ouais, pour être honnête. Parce que je considère que ce n'est pas comme ça que les institutions fonctionnent. Et surtout, moi, je suis bien là où je suis. J'ai voulu être ministre des Armées. Ouais, je suis petit-fils de résistant et je suis très heureux de faire cette matinale. On dit souvent que le ministre de la Défense est l'aide de camp du président de la République. la relation que vous avez avec lui, ça vous va? C'est ce que, effectivement, ce que vous imaginiez? C'est le domaine réservé et c'est la pureté de la Constitution de la Ve République. Je pense que c'est une bonne chose. Donc vous devez aussi rester à la place du ministre de la Défense prévu dans la République. Le chef des armées, c'est le président de la République. Et d'ailleurs, ce sont là, encore une fois de plus, pardon de le redire, les gaullistes qui ont imaginé cet équilibre-là. Et pour autant, le gouvernement comme le Parlement ont un rôle important à jouer dans les affaires militaires. Et c'est ce qu'on va faire dans les jours qui viennent avec cette loi de programmation militaire, dans laquelle chaque sensibilité politique va aussi devoir prendre ses responsabilités. Sébastien Lecornu, on vous retrouve effectivement aux côtés du président de la République, notamment pour les commémorations du 8 mai, à suivre bien sûr en direct sur France 2, juste après Télé Matin. Merci d'être venu dans Les 4 V. Merci pour votre invitation. Bonne journée à vous.